Nous sommes effectivement un festival qui a démarré tout petit, sans grande ambition, mais qui a eu le bonheur et le mérite de s'agrandir pour atteindre un nombre extrêmement important. Chaque année, des centaines de milliers de gens. Nous avons également écouté beaucoup d'étrangers venir apporter leurs témoignages, même des maîtres de conférences qui viennent d'ailleurs dire à quel point ils sont fascinés de voir qu'au Maroc, il se passe des choses aussi extraordinaires et de palper de près cette avancée démocratique. Que peu de gens de l'extérieur de nos frontières, de notre région du monde, ont tendance à y croire. Voilà. C'est vrai qu'on a une confusion qui peut paraître inquiétante pour ceux qui nous observent de l'extérieur dans cette région du monde. Eh bien, au Maroc, on fait la démonstration qu'il y a une véritable avancée démocratique, que la parole est libre, l'expression est libre et qu'on échange, on se parle, on essaye d'avancer et de se battre. Pour défendre les vraies valeurs, les valeurs fortes, les valeurs sûres, de dialogue, d'acceptation des différences, parce que le monde est ce qu'il est et nous devons apprendre à tous vivre ensemble. Et je pense que, modestement, en 4 jours, c'est ce que nous essayons de faire ici avec ce festival, qui, bien sûr, au-delà de toutes ces questions très sérieuses, est un formidable espace d'expression culturelle. Et comme on le répète souvent à cette occasion, on réussit par la culture ce que des fois on n'arrive pas à faire aussi rapidement avec les faits politiques.